Eh hey, toi, oui toi le jeune, si je te dis qu'ici, dans cette lave, j'ai une base secrète, tu dis il est fou. Eh ben regarde, j'appuie sur le bouton, hop, et maintenant admire, le passage s'ouvre, et regarde ici, hop là, j'accède à ma base. Maintenant une fois dans ma base, j'ai plein de trucs, regarde, je scanne mes empreintes, hop, ça s'ouvre, hop, magnifique. Je te présente ma piscine privée frérot. Ah oui, j'ai aussi un temple comme Thibaut InShape, et plein d'autres trucs incroyables, comme un hélicoptère par exemple. T'as envie de découvrir le reste hein? Eh ben regarde ma vidéo, jusqu'à la fin. Yo, c'est le capitaine, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te présente une base ultra secrète cachée sous la lave, tu vas adorer. Fais-moi plaisir, si la vidéo te plaît, abonne-toi, petit pouce bleu, active la cloche et lâche ton meilleur team capitaine dans les commentaires. Allez, c'est parti. Alors, accroche ta ceinture aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, il y a du très 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 lourd frérot. T'as intérêt à rester jusqu'à la fin pour ne pas manquer quoi que ce soit, parce que si tu manques quoi que ce soit, bah tu vas être super triste. Allez, c'est parti. Donc là, nous avons un lac de lave, tu vois, magnifique. Si j'appuie sur le bouton ici, bien regarde, ça active un chemin incroyable, regarde. Et la trappe ici va s'ouvrir, voilà, magnifique. Ce qui va nous permettre d'accéder à notre base et visiter tout ça. Donc là, je passe ici tranquillement la tête. Je réappuie sur le bouton, regarde, bien évidemment, ça se referme. Voilà, c'est sécurisé. Et là, de dehors, on voit plus rien. Maintenant, allons-y. Déjà, il y a de la lave partout, tu vois. Déjà, il y a tapis rouge dans ma base, hein, parce que quand même, faut pas rigoler. Et j'ai plein de trucs à te montrer. Nous avons une première pièce qui s'appelle le salon, salle à manger et chambre. Donc j'appuie sur le bouton ici, ça scanne et ça ouvre. Oui, c'est sympathique. Alors, bienvenue chez moi. Apparemment, il y a une salle secrète derrière une peinture. On va essayer de trouver ça. Déjà, je te présente ma télé 4K. Voilà, ultra stylé. Mon petit fauteuil ultra confort ici. Voilà, mon petit canapé. Canapé, regarde. Pour inviter les potes pour les soirées du samedi soir. Je te présente ma cuisine moderne, tout équipée, absolument magnifique, hein, il faut le dire. Et ici, ma table à manger également. Est-ce que ce serait pas ça la peinture secrète? Ah ah, regarde, ça passe là. Oh, du stuff OP de ouf. Oh là 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 là. Regarde-moi ça. Du Protection 10. Oh là 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 là. Incroyable. Et juste ici à côté, nous avons bien sûr ma chambre, voilà. Tout en rouge d'ailleurs, comme c'est beau. Attends, là j'ai l'armure. Regarde comme c'est beau, c'est assorti à mon skin, ma chambre. Avec un lit king size bien évidemment, voilà. Parce que quand même, faut profiter. Et bien sûr, j'ai plein de bouquins, hein, j'ai plein de lectures. Juste ici, bien évidemment, une autre chambre, écoute, hein, voilà. Parce que on sait jamais, hein, tu sais quoi. Si un jour j'en ai marre de la chambre numéro 1, moi je vais dans la chambre numéro 2, voilà. Est-ce que c'est bon pour toi? Tiens d'ailleurs, la chambre me parle, tu sais ce qu'elle me dit? Elle me dit qu'il y a seulement 10% des gens qui regardent la vidéo qui sont abonnés. Toi là! Oui, toi devant ton écran là! Toi qui n'es pas abonné, vas-y, abonne-toi, active la cloche, ça prend 3 secondes. Allez, vas-y! Et n'oublie pas, je sors une vidéo tous les jours. Allez, on continue la visite. Ah oui, je t'ai pas montré ça, mais c'est trop joli hein, ce design. On continue, j'ai une autre pièce ici. Donc là, ici, bienvenue dans la zone de gym et de piscine, frérot. Alors, ici, j'ai ma salle de gym, mon temple, comme dirait Thibaut, avec le punching ball, les zones de développé couché, les petits tapis, hein, parce que voilà, faut bien faire un petit footing le matin, faut bien courir un petit peu, tu vois. Encore des stands et des machines, c'est plutôt stylé, hein. Juste ici, je te présente ma salle de bain, voilà, avec mes toilettes ici. Juste là, petit miroir. Ici, tu as une giga baignoire. Douche, c'est les deux en même temps, j'ai l'impression. Ouais, c'est une giga douche. Juste là, oh, apparemment, il y a encore un truc secret derrière une peinture. Juste ici, tu as mon bar privé. Bah oui, frérot, parce que bon, et quand même, hein, écoute, là, quand t'invites les potes, il faut bien se faire plaisir avec des bonnes boissons ici. Donc là, tu as le bar privé, voilà, avec les petits tabourets. Ici, tu as une piscine, frérot, rien que pour nous. Regarde, tu peux aller faire un tour, voilà, ici, dans l'eau. Tu as le canard, hein, tu as la mascotte, regarde, le petit canard ici, voilà, qui est d'ailleurs assorti à la bouée orange, juste là. Et là, tu as encore une fois un canapé. Ah, je crois que la peinture secrète, c'est peut-être celle-ci. Ah ah, et encore de l'équipement. Ah bah dis donc, vous comptez tout nous donner, c'est ça? On dira peut-être bonjour aux dragons et aux wizards aujourd'hui. Regarde l'équipement que j'ai, frérot. On continue la visite. Tu n'as rien vu encore, hein, je te préviens. Tu n'as pas intérêt à manquer quoi que ce soit. Regarde, ça continue de descendre là. Là, je te présente la salle de librairie, donc la bibliothèque, et la stand des potions et la boutique. Viens venir, il est fou, pourquoi il parle de boutique? Regarde. Regarde et tu verras, frérot. Donc ici, bienvenue dans la bibliothèque. Déjà, j'ai une table ici. Regarde. Alors ça, mon pote, je peux te dire, tu vas être impressionné. Là, c'est niveau 1, niveau 10. D'accord, c'est ce qui est activé. Là, j'appuie ici. Hop, regarde. Oh là là, ça change, regarde. Oh là là. Regarde, ça se réouvre avec plus de trucs et ça remonte. Regarde-moi ça. Donc là, la table est maintenant. Alors attends, parce que j'ai pas un item à enchanter, n'importe. J'ai des bouteilles d'XP. J'ai plein de bouquins d'ailleurs. Donc là, on est du niveau 10 au niveau 20, tu vois ici. Enfin, niveau 1 à 20. Là, je réappuie et là, je la mets au max. Elle redescend. Ça se referme. Hop, ça se réouvre avec cette fois-ci la table qui est modifiée. Est-ce que c'est pas giga stylé? Trouve ça classe? Eh ben, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que t'en penses. Note sur 20 dans les commentaires ce magnifique mécanisme. Et puis, oublie pas le petit team capitaine pour montrer que t'es là. Et pense à t'abonner, activer la cloche. Et le pouce bleu, frérot, n'oublie pas le pouce bleu, ça prend 3 secondes. Appuie sur le bouton, quoi. C'est juste un bouton. T'as vu? Donc, c'est magnifique ici. D'ailleurs, attends, il y avait encore une salle secrète derrière une peinture. On me dit qu'il y a encore une salle secrète derrière une peinture quelque part ici. C'est là-bas, là. Regarde, c'est toujours là-bas. Plutôt à droite ou à gauche? Ah, plutôt à gauche. Oh, 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 encore du stuff. Oh là là, mais j'ai tout, frère. J'ai tout. Y a tout.
Oui, on va dire bonjour au dragon et Wither, t'inquiète pas. T'inquiète pas. Donc là, regarde, ici, bah, regarde, petit mur de lave, voilà, on peut appeler ça comme ça. Juste ici, je te présente ma salle à potions, voilà, tout simplement avec 1 milliard de potions possibles. Ici, tu as des potions, alors tout est prêt, regarde, tu as des bouteilles d'eau, tout est prêt pour faire des potions ici, tu as de l'eau à l'infini, tu as absolument tout ce qu'il faut, tu as tous les ingrédients rangés dans le coffre. D'ailleurs, regarde, tiens, on va faire quelques petites potions, regarde, alors ça, c'est pas un ingrédient, ça, c'en est un, tiens, on va faire des petites potions de force, par exemple, ici, regarde, hop, j'en mets là, et j'en mets une là, voilà, tout simplement. Oh, mais attendez, il faut penser à la Netherworld d'abord, sinon ça ne fonctionne pas. Tu mets directement ça, regarde, il faut mettre ça, voilà. Voilà, tu veux des potions, tu mets ça ici. Ah bah tu mets ça directement là-haut, regarde, ça descendra quand c'est prêt, voilà, regarde-moi ce mécanisme. Tu mets dans l'ordre en fait, regarde. Tu mets ça, puis ça, et ça ira directement. C'est incroyable, jamais. Tiens, regarde, juste à côté ici, je te présente la partie boutique. Et regarde ce qu'ils vendent, les frérots. Ils te vendent du stuff totalement OP. Oh, regarde, il y a tous les items du jeu. Alors, attends, attends, plaisir quand même. Voilà, tu échanges du bois contre des émeraudes. Après, ils te vendent n'importe quoi. Par exemple, un bouclier Thorns de 5. Tiens, rien que pour nos beaux yeux. Attends, c'est quoi? On va transformer ça comme ça. Voilà. Tiens, s'il te plaît, j'aimerais le bouclier. Voilà. Toi, lui, il vend des outils. Voilà. Donc tu as des outils puissance 1 milliard aussi ici. Voilà, tu peux jouer de la terre contre ça. Voilà. Ici, tu peux carrément t'acheter encore une fois des armures. Ah oui, d'accord, c'est en double à chaque fois. Ok. Au cas où tu perds. Ah non, regarde, il y a des trucs qu'on n'avait pas vu là. Tu as un arc, des flèches et tout et compagnie. C'est incroyable. Et là, tu as encore du stockage parce que c'est une salle de stockage. Bien évidemment, frérot. Bien évidemment. Et t'inquiète pas, on aura besoin d'eux si on doit dire bonjour à Wither. On achètera des trucs si besoin. Tiens, je vais aller voir si mes potions se sont bien passées. Tiens, juste à côté, parce que écoute, on en a lancé. Eh bien, regarde, les potions de force sont prêtes ici. C'est beau. C'est très très beau. Tu vois, on en prendra d'ailleurs. Ça va nous servir. C'est quoi, on les a pas fait pour rien. Attends, on va les remettre ici. Est-ce que j'ai pas de la glowstone qui traîne? Alors j'ai de la redstone dust. Et eh bah ben, écoute, on va les mettre comme ça, elles seront allongées au moins. C'est toujours mieux d'avoir des potions. Alors soit tu les mets niveau 2, soit tu les allonges, mais tu laisses pas des potions basiques comme ça, ça n'est pas très utile. Continuons la visite, hein, bien évidemment. Je te présente maintenant la salle de stockage sécurisée, c'est-à-dire mon coffre-fort. Eh oui, frérot. Alors je vais avancer trop vite encore une fois. Donc c'est là qu'on rigole moins. Déjà ici, je te présente mon armurerie. Tu as déjà la forge, voilà, parce que j'ai une forge privée chez moi pour forger des trucs directement, comme toutes ces armures. Il y a toutes les armures du jeu, regarde, sauf le fer. Tu as une armure en oreilles complètes, tu as tout ce qu'il faut pour te préparer, c'est toujours sympa. Juste ici, tu as bien évidemment toutes les tables du jeu, regarde, table d'enchant, table d'amélioration des orites, il y a toute une collection, voilà, parce que je suis un grand collectionneur de Minecraft, hein, je collectionne absolument tout. Et ici, regarde, tu as mon coffre-fort, on va rescanner parce qu'il y a une double sécurité, tu vois, et tu accèdes à mon coffre-fort secret avec toutes les ressources du monde. Voilà, attends, je vais prendre le totem d'immortalité, ça sent toujours ici. Regarde, tu as tout, tu as de l'or, du diamant, il y a encore du stuff cheat, hein, ici, une élytra, tiens, ça c'est utile, des fusées, tiens, ça c'est utile, voilà, de la netherite aussi en stock, on sait jamais, de l'émeraude, il y a tout ce qu'il faut, frérot. Tiens, d'ailleurs, l'émeraude, il est hors de question que ça reste ici, tiens. Nous allons récupérer ça pour nous acheter des trucs, hein. Je vais me permettre de récupérer mes propres ressources, hein. Voilà, c'est chez moi, je fais ce que je veux, d'accord? Je plaisante, bien sûr. Hop, tu es le bienvenu si tu veux venir. Alors, ensuite, je vais resécuriser parce que c'est quand même le coffre-fort. On va pas le laisser, ça se referme. C'est beau, hein. C'est beau, ces portes automatiques en lave. Hein. C'est le futur. C'est le futur. Ici, tu vois, ici, regarde, la sortie secrète. Et le jardin, frérot. Tu vas me dire, mais il a un jardin, lui? Mais oui, j'ai un jardin. Tu crois quoi? Alors j'attends que ça s'enlève pour pas me brûler la tête, hein, comme à chaque fois. Alors, ici, je te présente le jardin, frérito. Ici, regarde, si j'appuie sur le bouton, ça récolte tout. Hop, ça se récolte. Hop, ça se récolte. Hop là. Et ensuite, eh ben, ça va se replanter tout seul, regarde, là ça se récolte. Voilà, regarde là aussi, c'est incroyable ce système. Franchement, qu'est-ce qu'on n'invente pas, franchement, de nos jours. Voilà, et là tout se récupère dans le coffre. Normalement, regarde, c'est en train d'arriver, regarde, regarde, ça arrive. Regarde, en direct ici, et c'est incroyable, voilà. Tu as ton champ 100% automatisé. Regarde, tout est ici, et je crois par contre que là, pour replanter, je crois que c'est manuel, tu replantes toi-même, voilà. Écoute, tu mets un peu la main à la pâte, hein, parce que quand même, attends, c'est sympa, il faut quand même faire un petit peu de sport, tu vois. Le truc te laisse replanter, comme ça tu bouges un peu quand même. Alors je vais ranger tout ici, voilà, et là comme ça, tu vois, c'est automatisé. Ah mais non, regarde, y a un bouton, j'ai rien dit, tu appuies, et là regarde, ça replante, ça replante, ça replante, ça replante, ça replante. Oh, c'est incroyable. Et dire que j'ai osé dire qu'il fallait le faire à la main, non mais franchement. Non mais franchement quoi. Je vais manger des carottes. Tu as vu ça, comment c'est incroyable? Alors, n'ai-je pas récupéré du blé, non, dans cette histoire? Donc tu as vu, c'est absolument incroyable. Ensuite, juste ici à gauche, encore une fois, toujours plus de collections. Parce que voilà, on en a jamais assez, frérot. Faut jamais s'arrêter de collectionner dans Minecraft, hein, vraiment. Juste là, tu as la sortie secrète. Eh oui. Eh oui, parce qu'écoute, imagine qu'un jour on doit fuir la base en toute sécurité. On ne veut pas sortir par l'entrée principale, hein, parce que quelqu'un aurait découvert l'entrée. Eh bien regarde, je traverse ces escaliers innombrables, il y en a beaucoup. Il est vrai. Là, j'ai encore un escalier. Et ce n'est pas la même sortie que tout à l'heure. Non, non, non. Nous ne sommes pas au même endroit, frérot. Et là, regarde, j'ai une petite porte ici. Et là, je sors par là. Regarde comme c'est beau. Regarde, et l'entrée principale est là. C'est magnifique, hein. Franchement, c'est magnifique. On peut se le dire. Hop, de retour à l'intérieur de la base. Continuons notre visite. Continuons notre visite. Mais oui, on n'a pas tout vu, là. Regarde, ici, je te présente le Nether Portail et l'End Portal. Mais oui, j'ai tout à la maison. Tu crois qu'on s'embête à fabriquer le portail, nous, peut-être. Regarde, je te présente le portail du Nether. Activable et désactivable à souhait. Regarde, j'appuie sur le bouton et hop. Oh, regarde, oh, il se fabrique, regarde, il se fabrique.
fabrique tout seul. Hop, il s'active. C'est magnifique. Je te le dis, c'est magnifique. Non, mais il faut dire les termes. À un moment donné, il faut dire les termes, quoi. T'appelles ça comment, toi? J'appuie sur le bouton, regarde. Hop, et il fait spawn les œufs. Regarde les œufs à ma place. Est-ce que c'est pas incroyable, ça? Regarde. Hop là, activation. Moi, j'adore. Hein. Je sais pas ce que tu en penses, moi, j'adore. Alors, continuons, bien sûr. Continuons, continuons. Alors, ici, je te présente les mines. Mais oui, parce qu'imagine, tu vois, tu t'ennuies dans ton Minecraft, t'as envie de t'amuser un peu, un petit peu de challenge. C'est bien de profiter des fois un peu. Et bah, regarde, tu as tout simplement accès à des mines privées. Voilà, personne n'a accès à ces mines sauf toi. Enfin, sauf nous, du coup. Voilà, on profite un petit peu, tu vois. Je suis le seul à avoir accès à ces mines, ça fait plaisir, regarde. C'est incroyable. Cette base est remplie de surprises. D'ailleurs, avant qu'on dise bonjour au Wither et au Dragon, tu vois, je ne t'ai pas dit, mais aujourd'hui, j'ai une deuxième base à te montrer. Là, tu vas dire, il est fou. Mais si, c'est pas une blague. Allez, on passe à la deuxième base, elle est un peu plus loin dans le monde. Alors, voici l'entrée secrète de ma base. C'est une base météorite, voilà. Tu vois, genre là, il y a une météorite qui est tombée, puis j'ai fabriqué une base dedans. Ok? Voilà, même principe. Regarde, il faut scanner notre œil. Donc, on arrive, on scanne. Hop. C'est bon. C'est déverrouillé. On appuie sur le bouton. Et là, ça s'ouvre. Regarde comme c'est magnifique! C'est trop stylé. Alors, ça s'enferme tout seul aussi. Ah oui, d'ailleurs. Je t'ai pas dit, là, c'est automatique. Tu vois, ça s'ouvre. Et si tu fais rien, ça se referme. Bah oui. Il faut pas laisser l'entrée ouverte quand même. Attends, t'es sérieux? Bon, alors, ici, bienvenue dans ma base. Oui, il y a un petit message et tout. Donc, il y a plein de trucs. Énormément de trucs. On va commencer par ici déjà. Je te présente la salle de stockage. Oui, parce que écoute, tu l'as compris, j'aime bien le stockage. Il y a des caméras de sécurité dans cette base-ci pour sécuriser un petit peu. Là, j'appuie, ça s'ouvre. Le code est confirmé. Et là, tu accèdes encore une fois à un autre coffre-fort, frérito, avec encore une fois ici un scan avec bien sûr le giga-coffre les plus stylés du monde. Alors, j'ai rien mis ici, mais je peux ranger ce que je veux et c'est giga sécurisé. Et là, de l'autre côté, j'ai aussi une table enchante, voilà, qui apparaît, disparaît. Voilà. C'est encore plus simple que tout à l'heure. Hop, elle est là, elle est plus là. Voilà. C'est vraiment simple comme bonjour. Hop, on va réouvrir la porte secrète. Voilà. Oh, il y a un code, hein. Voilà, tu vois, ça scanne mon code et tout, tu vois. Si c'est toi qui appuies sur le bouton, ça ne s'ouvrira pas, ça ne s'ouvre qu'avec moi, tu vois. C'est ça que j'aime bien dans cette base, c'est que la base est intelligente, tu vois. Juste ici, je te présente, alors il y a énormément de trucs. Ici, tu as ma cuisine, hein, ma deuxième cuisine du monde, hein, j'en ai plusieurs, hein, tu l'as compris. Juste ici, alors là, c'est incroyable. Alors là, mon pote, je peux te dire, tu vas être impressionné. Déjà, si j'appuie sur le bouton ici, ça ouvre mon petit concert privé. Oui, oui, rien que ça. Quoi, tu trouves ça stylé? Eh ben vas-y, mets un pouce bleu, hein. Et dis-moi en commentaire, tiens, note sur 20 en commentaire ce truc-là. Le fait de pouvoir ouvrir et fermer la scène, regarde-moi ça, note sur 20. Moi, je mets un 18 sur 20, c'est incroyable. Est-ce que tu pensais qu'il y a un truc comme ça dans Minecraft? Regarde. Ah oui, il y a à manger à table, non, je t'ai pas dit. Juste ici, tu peux activer. Alors, ça va mettre de la musique. Bon, j'ai désactivé la musique. Ah non? Ah si, non, j'ai pas désactivé la musique des. Tu vois. Petit concert privé, voilà. Pour le plaisir, tout simplement, tu vois, quand tu manges. C'est incroyable, hein. Tu vois, d'ailleurs, je peux aussi changer la couleur de la table. Tu vas me dire, il est fou, regarde. Là, la table, t'es d'accord? Elle est couleur sable. Elle est un peu. On va dire, c'est presque du blanc, tu vois. Maintenant, regarde, j'appuie sur le bouton. Et hop, la table est maintenant, regarde. Couleur gris foncé. Si j'appuie ici, la table est maintenant marron foncé. Là, la table est acacia. La table est en diorite. Et la table est en. Alors, ça, c'était diorite, c'est ça. Et ça, c'est du granit, voilà. La table est en granit. Moi, perso, j'aime beaucoup en sandstone, voilà. Oui, parce que c'est customisable, frérot. Tu crois quoi? C'est incroyable, ma base. Je t'ai prévenu, hein. Alors. T'as rien vu encore, je te préviens. Juste ici, de l'autre côté à gauche, tu as ma chambre. Ah non, c'est mon salon. Mon salon avec la télé. Ah oui, la télé fonctionne, regarde. Déjà, on peut changer la couleur du canapé. Là, il est rouge. Maintenant, il est vert. Maintenant, il est violet. Oh, il est bleu en fait. Oh, il est rouge. Et là, regarde, j'appuie sur le bouton et là, regarde, tu as littéralement la télé qui s'active, regarde. Et tu as carrément une vraie émission de télé. Non, mais regarde-moi ça. Il charge. Non, mais c'est incroyable. Attends, mais le truc est fou, quoi. Quelqu'un a envoyé le diamant. Le creeper est recherché. Oh, j'adore ça, franchement. Non, mais un pouce bleu, c'est incroyable. N'hésite pas. Alors, en tout cas, n'hésite pas à partager à tes potes la vidéo à un max, ça fait plaisir. Ici, tu as tout simplement, eh bien, tous les animaux du monde qui sont dans ma base, en fait. Ouais, j'ai tout ramené dans la base. Ici, tu as les chevaux. Alors, tu as des boutons. Voyons voir déjà à quoi ça sert. Ah oui, ça les envoie. Ah oui, ça les envoyait directement. Tout en haut. Ah oui, tu peux remonter parce que j'ai une partie en haut aussi, je t'ai pas dit. Attends, on va aller avec eux, regarde, on va y aller ensemble. Voilà, là on arrive en haut de la base. T'avais parti un peu haut de la base d'un village et là tu vois, j'ai amené les chevaux tout en haut. Voilà. Et après, tu peux redescendre les chevaux. Voilà. Si t'as envie d'aller. Voilà, en fait, c'est ton cheval. Au lieu de le sortir, de faire tout le tour, te dire oh là là, je l'emmène par là. Non, non, non. Tu veux sortir avec ton cheval, frérot, t'appuies sur le bouton, regarde. Ton cheval il est là. Toi t'es là, hop, tu sors. Et là t'es dehors direct, regarde. Hop, là, attends, faut ouvrir les portes pour qu'il passe. Ah, s'il te plaît. Voilà. Et là t'es direct dehors. Voilà. Tiens, c'est quoi, je vais te mettre en liberté. Et bah toi aussi, allez, hop. Voilà. Allez, allez faire un tour, je te récupérais tout à l'heure. Va faire un tour. Ok. Bon, alors, hop, on va fermer ici. Faites un tour. Voilà, parfait. Et nous, on descend. T'as vu, c'est incroyable. Regarde ici. Là, je peux changer les animaux. Là, tu vois, j'ai accès à l'enclos des cochons. Hein. Si j'appuie sur le bouton, hop, l'enclos change. Là, maintenant, c'est les moutons. Je réappuie sur le bouton. Maintenant, c'est les vaches. Voilà. Là, je réappuie sur le bouton. C'est les poulets. C'est incroyable. Hein. Le meilleur système du monde, frérot. Hein. En tout cas, n'hésite pas à me dire ce que t'en penses en commentaire. Moi, je trouve ça incroyable. Je te le dis. Voilà. Ici, tu as la salle de contrôle. Pareil, tu peux changer les animaux à partir de là aussi. Voilà. Parce que si t'as pas envie de le faire d'en bas, tu peux le faire d'en haut. Voilà. Parce que, écoute, c'est drôle comme ça, non? Alors. Ah oui, d'ailleurs, ça c'est. Ah oui, d'accord. On pouvait passer par là aussi. Parce qu'il y a tellement
tellement de trucs dans cette base. Juste ici, alors tu as la version des champs, un peu différente de celle que tu as vu dans l'autre base. Bon, c'est pas compliqué, hein, regarde, tu as tout ici. Là, tu peux appuyer sur le bouton, ça va récolter automatiquement pour toi. Tout va arriver automatiquement dans le coffre ici, voilà, ça arrive. Et ensuite, tu peux tout simplement... Alors, si tu appuies, voyons voir, ça replante, voilà. Ensuite, tu rotates, voilà. Et tu peux changer à chaque fois. Donc là, tu passes du blé au betterave, tu passes du betterave aux carottes. Tu peux toujours récolter quand t'as envie, voilà. Et ensuite, tu remplaces par ce par quoi t'as envie. Donc là, par exemple, si tu veux replanter des carottes, bah, tu appuies sur le bouton, il va replanter des carottes, voilà, tu vois. Ensuite, tu rotates et ça change à chaque fois, tu vois. C'est incroyable, hein, regarde, là, tu peux changer à chaque fois, voilà, entre le blé, ça, ou les carottes que tu viens de planter, voilà, qui n'ont pas encore poussé. C'est du génie, moi, je te le dis, c'est du génie, voilà, c'est totalement du génie. Et là, c'est manuel, voilà, c'est la bonne, c'est le bon vieux truc ici, tu casses, voilà, simplement. Là, c'est pas compliqué, t'as vu, t'as envie de tes pastèques, bah, tu casses ta pastèque, voilà, et tu la récoltes. Après, ça repousse tout seul, voilà. Là. Il y a des trucs qui sont encore manuels, écoute, il faut bien faire les trucs à la main un petit peu quand même. Attends, on va pas tout automatiser, sinon il y a plus rien à faire, c'est pas rigolo. Ça n'est pas rigolo, frérot. Alors, ici, tu as le stockage, encore une fois. Donc, tu vois, les trucs sont connectés, hein. Alors là, tu vois, il y a les... Ah oui, il y a les fours aussi, j'ai pas dit. Il y a également les fours, juste ici. Et là, on continue la visite. Bah oui, tu n'as encore rien vu, frérot. Tu crois que t'avais vu des trucs là? Non, tu n'as rien vu du tout. Donc là, ici, tu as un ascenseur. Bah oui, parce que, écoute, voilà, tu as un ascenseur avec différents niveaux. Bah, ouais. Bah écoute, nous, on va faire un peu d'exercice. Bah, donc, on va utiliser l'ascenseur pour voir comment il marche une première fois. Je te montre comment il marche. Tu vois, au niveau d'avant, tiens, hop, c'est parti. Donc là, tu vois, on a pris simplement l'ascenseur, le prend les escaliers. Et là, t'as encore tout un niveau, frérito. Là, regarde, ici, tu as ma salle d'armure personnalisée. Donc là, tu peux choisir ta couleur d'armure. Donc là, tu veux une armure jaune. Ah non, c'est la couleur de la balise. Tiens, tu peux activer la balise et ça change sa couleur. Là, par exemple, c'est une balise jaune. Tu veux une balise rouge, voilà. Tu veux une balise bleue, voilà, une verte. Ah, la bleue, elle marche ou pas? Ouais, la bleue. Elle... Attends, faut le temps que ça actualise. Ah, c'est bon, elle est encore verte. What? Trop marrant. Ah là, c'est rouge. Ok. Et là, ah, la bleue ne marche pas. Le reste marche. Regarde, ça passe en jaune, ça passe en orange. Ah, l'orange non plus. Ça, ça marche. Ça marche pas. Par contre, le bleu, ça... Enfin... Ah si. Si, c'est bon, ça fonctionne. Ok. Il y avait un petit bug. Ok. Il y avait un petit bug, ouais. Ok, là, c'est bon, ça fonctionne. Là, ça marche. Ok. Ah oui, il y a un petit temps, d'accord. Il faut attendre que ça actualise. Ok, ouais, voilà, c'est bon. Là, regarde, là, c'est bon. Là, c'est bon. Ok, il faut attendre. Je suis trop pressé. Alors ici. Donc là, t'as ton armure autour, hein, etc. Là, tu peux activer le bouton, ça active le portail, voilà. Simple comme bonjour, c'est bon pour toi. Là, t'as ton armure, hein, tu choisis ce que tu veux, tu t'habilles comme tu veux. C'est ça qui est incroyable. De l'autre côté, je te présente, bien évidemment, juste ici, mon lit. Voilà, ma chambre. Alors, encore une fois, le lit peut être jaune, il peut être vert, il peut être violet, il peut être orange. Moi, je le sens rouge parce que ouais, je kiffe le rouge, tu le sais. N'hésite pas à me donner ta couleur préférée dans les commentaires, ça m'intéresse. Je lirai les commentaires, donc n'hésite pas à me donner ta couleur préférée. Alors, il y a énormément de trucs là. Tu as une giga épée, voilà, pour le style, parce que c'est classe. Alors, ici, tu as carrément une salle d'entraînement, frérito. Oui, tu as carrément une salle d'entraînement, j'ai bien dit. Là, tu peux tirer à l'arc, tout là. Là, tu peux t'entraîner à tirer à l'arc pour viser les cibles. Voilà, total, t'as des cibles. Tu tires sur les cibles, voilà, comme ça, voilà. Toucher, 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 oh, toucher, 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 voilà. Et tu peux t'entraîner, attends, on va essayer là-bas, attention là-bas. Oh, bah c'est facile. En fait, dans Windows 10, tu vises juste la cible, en fait. Hein. Ouais, voilà. Genre, on a eu toutes les cibles. Hein. On est un professionnel, nous. Voilà, ça fait plaisir. Et de l'autre côté, tu as une salle d'entraînement. Alors, si on veut s'entraîner, on va faire un petit peu d'équipement. Attends, on va aller dans la salle d'équipement, justement. Tiens, à côté, où il y avait ma chambre. Attends, c'est là. Je suis perdu dans ma base, hein, parce que j'ai trop de trucs. Il n'y a pas d'équipement de qualité, un peu, pour qu'on puisse s'entraîner. Bon, il y a un petit peu d'équipement. Écoute, on va s'équiper avec ça. Attends, on va prendre plutôt le plastron en diams, je t'avoue. Le pantalon en diams aussi, s'il te plaît. Bottes en diams et le casque en diams. Voilà, on est full diams. Donc voilà, je suis un petit peu équipé. On va tester ensemble un petit peu comment ça se présente. On peut choisir la difficulté. On va mettre easy. Voilà, enfin, un peu normal. Hein. Attends, et on va activer. Donc là, tu as carrément un combat de 10 vagues. Alors, on va pas faire les 10 vagues. Hein. On va juste tester une vague pour que je te montre comment ça marche bien. Donc là, voilà, t'as un zombie qui a spawn là-bas. C'est pas compliqué. Hein. Tu y vas. L'objectif, c'est que tu tues tous les mobs tout simplement. Voilà. Parfait, donc là il reste 4 mobs dans l'arène, il nous dit. Voilà, il y a un compteur de mobs comme tu peux le constater. Donc là tu t'entraînes en fait, tu veux t'entraîner, et bah tu viens dans l'arène, voilà, et tu fight un petit peu les mobs dans l'arène. Ok, parfait, et il spawn, ah il y a des points de spawn, d'accord. Voilà, tu fight les mobs dans l'arène et tu t'entraînes tout simplement à devenir le meilleur dresseur, non je rigole, à devenir tout simplement le meilleur joueur de Minecraft, voilà, comme ceci. Voilà, c'est pour te montrer, bon, on va pas tester toutes les vagues hein, parce que la flemme, mais c'est pour te montrer que ça marche très bien, et là tu reviens au centre de contrôle quand tu as envie, voilà, hein, c'est toi qui décides, tout simplement. Tiens d'ailleurs, ici, de ce côté-là, alors pareil, il doit y avoir, oui voilà, j'ai failli manquer ça. Alors qu'est-ce qu'il y a déjà ici? Ah oui, tu peux choisir le mob. Ah oui, le nombre de mobs et faire spawn. Attends, tu peux faire spawn 3 zombies là. Ah ok, ici. Voilà, tu peux t'entraîner à faire spawn les mobs du jeu pour t'amuser avec, voilà simplement. Non mais parce que c'est incroyable. Eh, franchement, on n'arrête pas le progrès. Donc là, par exemple, tu dis aujourd'hui, je suis un peu d'humeur à fight. Allez, je sais pas moi. Alors des sorcières un peu la flemme. Oh tiens des, oh il y a tout en fait. Tiens des pillagers. Alors, attends, c'est parti. Là, t'appuies sur le bouton. Tu peux choisir le nombre de mobs. J'ai mis 3, tu peux choisir plus. Hein. Et là, tu peux t'entraîner à fight nos copains, les pillagers. Voilà simplement. Tout simplement dans Minecraft, voilà, tu vois, c'est incroyable. Et tu peux choisir le nombre de mobs, hein, t'as le choix entre 3, 5, après il y en a 10, c'est quoi le max, c'est 10, ah oui, voilà, c'est 3, 5 ou 10, voilà, tu choisis. Et tu t'amuses, voilà, tout simplement, oui, parce que le but c'est s'amuser, hein, voilà, c'est, il faut quand même dire les termes. Cette base, elle est fun, frérot, hein, la base, elle est fun, elle est là pour ça, on est là pour s'amuser.
Hop, alors, c'est parti. Maintenant, c'était l'orange qu'on n'a pas testé ou c'est l'autre? Non, l'orange, c'est au niveau de base. Attends, j'ai un doute. Oui, oui, alors c'est l'autre. C'est le rouge. Non, tu te réouvres, s'il te plaît. Ah oui, c'est pas un truc à détection, hein. Alors ici, bienvenue, bienvenue. Alors juste ici, tu as carrément la musique. Tu choisis ta musique, t'appuies sur le bouton, ça play ta musique. Voilà. Et ah oui, d'accord. Ah oui, d'ailleurs, regarde, je t'ai pas dit, mais il y a une ambiance un petit peu discothèque, boîte de nuit. Voilà, hein, c'est un petit peu en rythme avec la musique. C'est incroyable, c'est du génie. Je te le dis. Il y a une piscine privée parce que voilà, j'aime bien les piscines, hein, tu le sais. Là ici, il y a des tables et tout. Vieux modèle d'ailleurs de table, ça ne se fait plus trop comme ça, mais nostalgie sur ce modèle là. Juste ici, de l'autre côté de l'ascenseur, bah t'as l'escalier, voilà, tout simplement. Ici, tu as deux circuits. Alors, c'est un. Alors, il y a des minecarts parce que justement, il faut des minecarts parce que c'est pas à côté. On va commencer par là. Alors, je crois que c'est les mines, non? J'ai encore une fois des mines privées. Donc là, on y va en minecart, écoute, parce que voilà, son Altesse ne prend pas les escaliers, voyons. Enfin, attendez quand même. Et là, tu arrives ici, tout simplement, voilà, dans une zone de minage optimisée, voilà. Et si tu veux remonter, eh bien, tu avances dans l'autre sens. Et puis voilà, tu peux remonter tranquillement. C'est incroyable! Il faut dire les termes. Moi, je trouve que c'est absolument incroyable. Et c'est très sympathique, voilà. Tu as des mines de chaque côté, je pense que c'est strictement identique. On peut aller voir de l'autre côté. Et tu sais quoi, allons-y à pied. Bah oui, bah oui. Ensuite, on va aller dans notre base et on va fight le dragon. Ouais, c'est la même chose. C'est exactement la même chose. Moi, j'adore cette base. Je sais pas ce que t'en penses, mais moi, j'adore. Alors, nous, on voici dans mon autre base. Hein, voilà, je me suis rééquipé avec l'équipement qu'on avait laissé. J'avais laissé l'équipement à l'entrée. Voilà, il est de nouveau à nous. Voilà, on va faire un tour dans le Nether. Alors, comme je t'ai dit aujourd'hui, c'est Wither et Dragon, Frérito. Oui, parce que ouais, faut pas rigoler quand même. Donc, c'est parti, on y va avec ton équipement de fou. Alors, à mon avis, le Wither, les potes, il va nous voir. Il va dire, oh mon dieu, non. Il va dire, non, non, c'est bon, moi, je joue pas. C'est pas drôle. T'as d'enchantement niveau 10, c'est pas du jeu. Il a droit, hein, en soi, il a droit. Bon, allez, c'est parti, j'ai tout ce qu'il faut directement. On va le faire spawn ici. Alors, ça y est, dans cette version, on est en Bedrock, le Wither va fuir. Ouais, il fuit dans cette version, c'est vrai, hein. Alors là, déjà, il met 10 000 ans à. Enfin, après, il va mettre 10 000 ans à mourir aussi. Il y a des trucs bizarres dans cette version avec le Wither, moi, je trouve. Donc là, normalement, il va fuir parce qu'on le connaît. Ok, donc là, il est parti. T'es où, frérot? Calme-toi, calme-toi. Alors, j'ai du. Ça fait combien du? Waouh! Ah ouais, ça fait mal quand même, hein. Je pensais que ça ferait plus mal, tu vois. C'est quand même du niveau 10, hein. Voilà. Allez, viens de battre. Donc là, il va passer en mode. Là, normalement, il passe en mode corps à corps. Mais dans cette version, il fuit. Voilà, je ne sais pas pourquoi il fuit. Allez, viens. Voilà, ok. Allez, viens de battre. Ok, là, il passe en mode corps à corps normalement, mais en fait, pas du tout. Pas du tout, là, il passe en mode je fuis. Tu fuis ou pas? Ah oui, regardez, il recule là. Regardez, il fuit. Non, mais c'est incroyable. Je ne sais pas pourquoi il fuit dans cette version. Ça le rend plus difficile, du coup, hein, parce que dans l'autre version, il fait pas ça. Allez, meurt. C'est bon, il est mort. Et là, il va mettre 10 000 ans avant d'exploser. Ça aussi, c'est un truc qu'il fait pas dans l'autre version. Là, il va. Là, il reste comme ça, là, regarde. Il va mettre 10 000 ans. On sait pas pourquoi. Regarde, il est encore comme ça, là. Regarde, on sait pas ce qu'il fait, hein. Et là, il va exploser. Voilà. C'est du n'importe quoi. Bon, après, il donne sa Wither Star. Mais l'autre version, il fait pas du tout ça, hein. Il met pas 10 000 ans à exploser comme ça. Waouh. Il y a de la lave, là, évidemment. Non, mais franchement, c'est du n'importe quoi. On sait pas pourquoi il se comporte comme ça ici. C'est trop bizarre. Bon, alors, ici, c'est bon. Je casse les trucs, ça m'a donné parce qu'il y a un milliard de trucs. Cette fois-ci, on va mettre ça, les potes, parce que cette fois-ci, on va dire bonjour au dragon, les potes. Voilà. Parce que le portail est juste à côté, il est activé. Et tu crois qu'on va pas dire bonjour aux deux boss du jeu, là, peut-être. Voilà. Là, regarde, là, t'as ton Nether. Et puis juste à côté, là, mais vraiment juste à côté, là, t'as l'end. Là, c'est parti. Allez. Alors, j'allais dire, j'espère qu'il y a le dragon quand même. J'espère qu'il n'est pas déjà mort. Hop. Ah, il est là, c'est bon. Pendant un instant, j'ai cru qu'il était pas là. Hein. Alors, c'est vrai, dans cette version, hop, on peut casser ça très facilement parce qu'il y a juste. Salut, toi. Attends, attends. Sois patient, s'il te plaît. Hein. Tu attends ton tour, comme tout le monde. Ok, là-bas, c'est cassé. Là-bas. Alors, là, par contre, il y a moins de portée. Ah, c'est bon. C'est cassé. Alors, hop, là. Tranquillement. Tranquillement. Ok. Est-ce que je peux avoir ma bouffe? Oui. Donc, là, on fait attention parce que, mine de rien, ça fait quand même mal à casser ce truc. Là-bas, c'est bon. Les healers comme ça, la strat Neoflix ne marche pas. Alors, c'est vrai qu'ici, il vient toujours à la charge, ce qui est assez marrant. Ici, ça marche pas la strat Neoflix parce que c'est dans l'autre version. J'ai remarqué qu'en Bedrock, ça marche pas trop. Donc, en Bedrock, t'es obligé de venir à la main ici, prendre ta pioche un milliard et casser le truc. Ok, ensuite, de l'autre côté ici, il reste le dernier healer en vie. Voilà. Est-ce que j'avais pas une pomme? Oui, j'avais une pomme, semble-t-il. On va la manger. Voilà. Et attention, on va casser ça ici. Voilà, c'est bon, c'est cassé. Alors, dragon, à nous deux. Calme-toi, frérito. Ah, tu charges? Ah, tu charges pas. Ah, si, tu viens. Ok. Je te préviens. Attends, j'ai pas la potion de force. Ah, j'ai pas gardé la potion de force. J'aurais dû la garder. C'est pas grave. Voilà, on est en power 10. Eh, ça va, hein. Il est résistant quand même, hein. On est en sharpness 10, hein, les potes, quand même, hein. Alors, par contre, ouais, pour voler et utiliser les. Apparemment, ça, c'est un peu plus galère. Ouais, ça, par contre, c'est un peu plus galère parce que tu peux pas garder dans la deuxième main les fusées. Et ça, c'est un petit peu dommage, d'ailleurs, je trouve. Je comprends pas pourquoi ils ont fait ça. Je trouve qu'ils auraient dû. Par contre, il vient très souvent ici, dans cette version. Ok. Dragon, à nous deux. Alors, par contre, vous pouvez éviter de mettre ça ici, là. Merci. Parce que c'est. Ah ouais, d'accord. Ok. Bon, bah, ça marche quand même, hein. Ça marche quand même. Attends, tu sais quoi? On va essayer de le snipe plutôt. Parce qu'en fait, comme l'arc est super précis, voilà, tu peux le sniper. Ah oui, mais attends, mais c'est trop facile de sniper dans cette version, en fait. Ah, mais il a encore un healer! Autant pour moi! J'ai laissé là-haut, là. Attends. Ah, c'est bon, il est mort. J'ai laissé un healer en vie, là-bas. C'est pas sérieux. Attends, attends, on va aller le casser symboliquement. C'est pas sérieux, ça, hein.
Hop, voilà. Oh, c'est la première fois qu'on oublie un healer comme ça. Et merci pour ce fameux bain d'XP bien mérité. Après toutes ces aventures, voilà, il faut le dire quand même. Il faut le dire. Voilà, ça donne combien d'XP? Normalement, ça donne à peu près, ouais, 50 niveaux, non? Un truc comme ça, ça se donnait pas mal quand même. Ouais, 50 niveaux, on est d'accord. Allez, 49, 51, c'est bon ça, ouais. C'est à peu près ça, 54, 55. Attends, j'essaie de voir comment ça donne. Parce que là, on était presque niveau 0, je crois, donc c'est intéressant comme comparaison. 57, 50, 58 ou pas symboliquement? Pas sûr, hein. Pas sûr, 58. Ah non, pas 58. Ah si, ça, attends, ça c'est une méga orbe peut-être? Non. Ah si, 58, c'est bon. Ok les potes, 58 niveaux, ce qui est très sympathique. Et si je repasse au portail, où est-ce qu'on se réveille? Ça c'est la question. Eh bien, à l'entrée de la base, magnifique, magnifique. Et ben voilà, c'était tout simplement ma base secrète cachée sous la lave, hein. J'espère que ça t'a plu. Si ça t'a plu, abonne-toi, petit pouce bleu, active la cloche et lâche ton meilleur team capitaine dans les commentaires. Très très important, je t'invite à regarder une autre de mes vidéos qui s'affiche sur ton écran. Regarde ton écran, il y a de nos vidéos. Allez, clique sur une d'entre elles, comme ça on reste ensemble. On se retrouve directement dans une autre de mes vidéos. Je te dis à toutes.